Les amis, est-ce que les séraphins de Doflamingo et de Crocodile feront leur apparition? Qui sont les trois autres séraphins qui n'ont pas encore fait leur apparition dans One Piece? Sont-ils tous d'anciens Shichibukai ou Vegapunk a-t-il réussi à imiter une autre figure légendaire? Le séraphin est actuellement toujours un sujet de conversation brûlant parmi les fans. Naturellement, compte tenu de la puissance impressionnante des séraphins. On peut le constater dans le chapitre précédent. Séraphin a même réussi à faire paniquer la silhouette de Barbe Noire lorsqu'il était sur l'île d'Amazon Lily. Les séraphins sont devenus une nouvelle arme pour la marine et aussi pour le gouvernement mondial. Ils sont le résultat du développement d'une unité spéciale de la marine dont Vegapunk est le chef, à savoir le SSJ. Cependant, Oda Sensei n'a pas encore inclus tous les séraphins dans son histoire. Cela m'amène à me poser des questions. Qui sont les séraphins? En bref, les séraphins sont une version beaucoup plus puissante du précédent modèle de pacifista. Comme nous le savons, le pacifista est une technologie créée par Vegapunk pour la marine. Le but est de servir de force supplémentaire aux Marines pour attraper divers pirates puissants. Par exemple, les anciens Shichibukai. Le pacifista est apparu pour la première fois dans l'arc Sabaody. Le dernier modèle de pacifista, baptisé Séraphin, est le résultat du développement du SSJ Special Science Group. Ce sont des améliorations beaucoup plus puissantes du pacifista. Les Séraphins sont apparus pour la première fois au chapitre 1059, lorsque la marine était sur le point de capturer Boa en coque. Deux Séraphins sont apparus et ont réussi à détruire l'île d'Amazon Lily. En fait, les deux ont réussi à vaincre Hancock, la tribu Kucha, et à survivre à l'attaque de Barbe Noire. Basé sur cela, le niveau de puissance du Séraphin était hors de doute. En fait, il est possible que les Séraphins soient beaucoup plus puissants que la figure du Shichibukai. Jusqu'au chapitre 1069, Oda Sensei n'a présenté que 4 Séraphins dans l'histoire. Il s'agit de S-Shark, S-Bear, S-Snake et S-Hawk. Pour l'instant, on ne sait toujours pas combien de Séraphins Vegapunk a fabriqué. Cependant, dans le chapitre 1066, il y a un détail intéressant que vous avez peut-être manqué. Dans l'un des panneaux où se trouvent Shaka et les chapeaux de paille, il y a une petite pièce avec des chiffres. Vous pouvez voir les chiffres 5, 6 et 7 qui n'ont pas encore été ouverts. Autrement dit, il est fort probable que Vegapunk ait fabriqué 7 séraphins, ou peut-être même plus. Il n'est pas impossible qu'il y ait d'autres séraphins qui n'ont pas été présentés et qui soient stockés quelque part. Par exemple à Marie-Joise. Ils sont devenus l'une des armes principales des Gorosei. En supposant que Vegapunk ait fabriqué 7 séraphins et que 4 séraphins soient apparus dans l'histoire, alors les 3 séraphins restants ne sont pas encore apparus. Alors, à votre avis, qui est l'autre séraphin qui n'est pas encore rentré dans l'histoire? Il y a plusieurs possibilités pour cela. Premièrement, Vegapunk pourrait copier la position des Shichibukai originaux. Si c'est le cas, cela signifie que les 3 autres séraphins sont probablement Gecko Moria, Don Quichotte Doflamingo et aussi Crocodile. Doflamingo et Crocodile sont probablement les deux personnages qui ont le plus de chances de devenir séraphins parmi ces 3. Pourquoi? Eh bien, parce que Doflamingo et Crocodile sont deux personnages qui ont un pouvoir énorme dans l'histoire. Quant à Moria, il est considéré comme le Shichibukai le plus faible. Il est donc peu probable qu'il devienne un séraphin. Deuxièmement, il est également possible que Vegapunk ait pris de l'ADN d'autres Shichibukai. Comme vous le savez, le poste de Shichibukai était vacant et a été occupé par plusieurs personnes. Par exemple, Barbe Noire, Law et aussi Baggy. Parmi les 3 personnages de la troisième possibilité, Barbe Noire et Law sont les personnages qui ont le plus de chances de devenir des versions de séraphins. Bien entendu, le Vegapunk et le gouvernement mondial connaissent déjà la puissance de Barbe Noire, qui est le seul humain capable de posséder 2 pouvoirs de fruits du démon à la fois. De plus, ce moment a également été diffusé dans le monde entier lors de la guerre de Marineford. Ensuite, Law est un personnage qui a le pouvoir du fruit du démon, Ope Ope Nomi, qui est le fruit du démon le plus convoité au monde et aussi par le gouvernement mondial. Cela est dû au pouvoir de la chirurgie de la jeunesse qui permet de vivre éternellement. En imitant son pouvoir de fruit du démon, la loi, les séraphins peuvent être tout aussi terribles que la version originale. Alors, hormis ces Shichibukai, qui d'autre peut être considéré comme un séraphin? Il y a aussi une figure légendaire qui peut être considérée comme séraphin. Nous allons voir cela. Outre les possibilités que j'ai pu citer, il y a des personnages qui peuvent apparaître très prochainement en tant que séraphin. Un exemple est Shimotsuki Ryoma. Dans le monde de One Piece, le nom de Ryoma est très célèbre en tant que dieu des épées
et protecteur de Wano. Dans une histoire, il a même été capable de tuer un dragon. La popularité de Ryuma atteint même les oreilles des gens en dehors de Wano. C'est pourquoi il est possible que Vegapunk fasse de Ryuma un séraphin qui est une figure légendaire. En dehors de Ryuma, une autre figure légendaire qui pourrait venir à nous en tant que séraphin est Rox du Shebek. La figure de Rox pourrait être conservée ou stockée au niveau 5 de la prison d'Impel Down afin qu'un jour le gouvernement mondial puisse utiliser à nouveau ses pouvoirs. Si c'est le cas, il ne serait pas impossible pour Vegapunk et le gouvernement mondial de créer des séraphins Rox. Il peut également prendre l'ADN de Rox et ensuite créer un clone. Donc, la conclusion est que les trois séraphins restants n'ont pas encore fait leur apparition. Il y a plusieurs personnages possibles qui pourront apparaître en tant que séraphins. La première possibilité est que Vegapunk présente d'autres personnages de Shichibukai, où il se pourrait que Vegapunk ait des séraphins de personnages légendaires. Alors là les amis, dans le chapitre 1069, on s'est rendu compte que le CP0 a réussi à immobiliser Saint Omaru. S'ils prennent la direction des séraphins, il est fort probable que les autres séraphins puissent entrer en action et qu'on puisse découvrir qui sont ces séraphins. Est-ce que Luffy pourra à lui seul affronter le CP0 qui compte Kako, Stussy, Rob Lucci en forme éveillée, plus tous ces séraphins? Là présentement, on a 4 séraphins. Pensez-vous que cet empereur de Luffy, avec la forme puissante divine qui est Nika, pourront affronter tous ces antagonistes? Dites-moi ce que vous avez pensé de cela et dites-moi si Luffy sera capable de réussir avec tous ces antagonistes. On se retrouve en zone commentaire et surtout, si vous avez aimé la vidéo, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace!